solution moko oye yena makambo ebele soki oza na posa ya koteka to kusomba pièce ya mutuka pembeni eza osika ovandi to na mboka oyo ovandi to na peyo ezali voisin boye ba pebo kangake inscription eza ya ofele okofuta ta infronté pe intermédiaire Azati, Africa Bazaar Center, Ezande plateforme Oyo, Ezo Koutanissa, ba vendeur, ba client, pour na ko utiliser yango, beta Google, pe sala inscription na yo, na www.africabazaarcenter.com pe o publier. Ami na yo, après validation ya annonce na yo, ba personne Oyo, baza intéressé, ba ko contacter yo, mbala moko za mobimba. Pe bokoyokan. Bon atalo pe bokoyokana esika bako livre produit na yo. Boye ba pe bokangake intermédiaire azati commission pe ezati Africa Bazaar Center esika malamu bon ba homme d'affaires oyo eza mayasi. Très heureuse de vous avoir nombré branché scruté sur les antennes de votre chaîne Congo.carré télévision. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné à notre chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos, mais surtout de partager au maximum pour permettre à vos proches de être informés sans plus tarder dans notre rubrique découverte. Aujourd'hui, nous allons au Zimbabwe, où le peuple a des orteils. Le Zimbabwe est un pays d'Afrique constitué de plusieurs tribus, dont le peuple Vandoma, situé à l'est du pays. Il est assez intrigant à cause de la morphologie pédiaise de 95% de sa population. Chacun de pieds ne comporte que des orteils, selon la légende. Deux êtres en provenance des systèmes stellaires du Sirius ont d'abord pris quartier dans une planète de notre système solaire avant de descendre sur la Terre. C'est complètement faux. On doit avouer, mais semblablement à des oiseaux, ils se sont accouplés avec le Zima. Le descendant de ce lien hybride ancêtre de Vandoma hérite en bonne partie de l'ADN humain, mais aussi de celui de ces êtres singuliers essentiellement aux pieds. Les 10 orteils tournent l'un vers l'autre, plongent plutôt aux extrémités des pieds. Cette position leur offre une disposition naturelle à grimper aux arbres, mais une énorme peine à courir ou à marcher. Ils ne peuvent pas porter des chaussures en raison de la forme de leurs pieds. Selon la science, il s'agit en fait d'une maladie génétique appelée Arthrodactylie qui semble encore avoir de beaux jours devant lui en raison du mariage consanguin pratiqué et du caractère très dominant de l'anomalie. En raison également de l'isolement de la tribu Vandoma, ils ont développé et maintenu l'arthrodactylie et leur pôle génétique relativement petit, afin que la condition soit beaucoup plus fréquente qu'ailleurs. Si vous avez apprécié ces découvertes, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne, de partager le lien pour informer vos proches et d'activer la cloche de notification. Quant à moi, on se retrouve au prochain numéro de votre session d'information dans sa rubrique découverte. Thank you.